in de cirkel helemaal vooraan. Ik weet niet of je eraan gaat geraken. Sensibilisé par la question climatique, et en plus de ça, quand j'ai entendu Greta Thunberg parler à la COP24, j'ai tout de suite été choquée, et même j'ai été pris, et je me suis dit oui, moi aussi je dois agir, et je dois j'ai besoin d'être là, faire quelque chose. Et du coup je me suis mis avec Hanouna et Kira, et on a commencé à ces manifestations dans les rues les jeudis. Et donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie. C'est aussi grâce à Greta Thunberg, qui est un peu mon idole. So we wanted this movement because we thought this is so important to strike for the climate and to rise up for climate. And you see that the whole generation is very motivated and activated to keep going. And the policy that there is now about climate change is really bad, so we're fighting that. J'ai vécu au Vietnam pendant 5 ans, et là j'ai pu voir de mes propres yeux des situations, les conséquences du réchauffement climatique. J'ai vu des bouts de plage qui étaient avalés par la mer. J'ai vu le delta du Mekong, donc la rivière qui montait, et du coup les rizières qui étaient envahies d'eau. Et du coup les Vietnamiens n'avaient plus d'endroit pour travailler et migraient dans les grandes villes. Et donc je voyais déjà le début de la migration climatique. Et donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, il y a déjà des exemples, parce que ça se passe peut-être pas ici chez nous, mais ça se passe dans d'autres pays et on peut pas l'ignorer. So it's really obvious that climate change is caused by humans, and we really need to fight it because it's our mess, and right now we need to clean it up ourselves. And you see that there are a lot of young people engaged to do it, but now we need the politicians to start with actions as well.
Facebook et oui, on le trouvait bien bon initiative, donc on est venu ici et on trouve très important que les jeunes oui, font quelque chose pour le climat, donc c'est pour ça qu'on vient. Moi, ce qui m'a certainement choqué, c'est plutôt les catastrophes naturelles partout dans le monde en fait, qui sont liées au climat, et c'est ça qui m'a inspiré à venir ici en fait, pour pas que ça arrive à plus de gens. J'étais déjà consciente qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes avec des gaz et puis l'effet de serre. Et puis maintenant, j'ai toujours eu l'impression que mes camarades de classe s'en fichaient un peu. C'était pas trop intéressé, mais ça me donne beaucoup d'espoir de voir tous les jeunes aujourd'hui qui vont pas à l'école, mais pour une bonne raison, quoi, pour manifester et pour montrer au gouvernement qu'il faut vraiment faire quelque chose, parce que on en a marre. Et puis on aimerait bien, nous, peut-être avoir une famille plus tard, mais en ce moment, moi, j'aurais pas d'enfant, hein, avec tout ce qui se passe. J'aimerais bien être sûre qu'il y aura une planète pour avoir des enfants. Et donc je suis vraiment vraiment très contente de voir tout le monde ici et beaucoup plus de gens qu'on avait espéré, donc je trouve ça super et vraiment que les jeunes se sensibilisent et mobilisent comme ça, c'est incroyable et je suis très fière d'être jeune aujourd'hui.